Bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à calmer notre muscle cardiaque, je vous propose d'être plutôt assis. Donc installons-nous sur le bord de la chaise en vérifiant que notre corps soit confortable depuis le bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Installons-nous légèrement sur l'avant des ischions sans que cette position interfère sur nos lombaires. Donc, veillons à ne pas cambrer et tirons-nous vers le ciel. On peut s'étirer même avec les bras en les montant et quand on les monte sur le côté, on étire en fait tout le temps qu'on les monte. Donc depuis le bas jusqu'en haut, on les étire et ensuite. Et bien, les paumes retournées vers le ciel, c'est un étirement tout à fait habituel que nous faisons. Et plaçons les mains en namasté, l'une contre l'autre, sans serrer. On peut serrer les talons des mains, les bouts des doigts, et cela représente. Comme un bourgeon chez les Tibétains. Suivons la flèche des doigts pour saluer le ciel entier, le firmament, l'étoile polaire, l'étoile du berger ces jours-ci. Et observons les coudes qui s'écartent vers le sol et saluons la terre. La terre parfois recouverte de neige, de givre. Et nous la saluons jusqu'à son centre ardent. Et nous sentons nos racines dans les pieds, dans le périnée, particulièrement le coccyx. En imaginant une queue de dragon ou de kangourou qui vient faire le troisième pied sur le sol. Détendons le coccyx pour nous autoriser cette queue de dragon. Et puis saluons-nous nous-mêmes dans tous nos âges. Saluons ceux qui étaient avant, et particulièrement nos ancêtres directs, nos parents, qu'ils soient sur la terre ou qu'ils n'y soient plus. Et tous ceux qui vont venir après nous, et particulièrement ceux qui sont juste après nous, les enfants, les neveux. Et bien sûr, saluons tous ceux qui vivent en même temps que nous et tous les autres, d'avant et d'après, qui sont plus distants de nous. Et entrons dans la vibration des huit immortels, particulièrement aujourd'hui de Tchikwaïli qui s'occupe du cœur. Et puis. Yang, qui est l'ermite qui a transmis son savoir à Maître Chia, et Maître Chia, et on rentre de cette façon dans une vibration qui s'amplifie par notre liaison avec tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur bonne pratique. Et on va frotter un petit peu nos mains. En fait, comme on s'approche des fêtes, je ne vous l'apprends pas, et principalement la fête de Noël demain et après-demain, ben c'est une fête qui parfois met notre cœur en tension. Et donc, de toute façon, tout ce qu'on vit actuellement met notre cœur en tension, mais encore plus là, et parce qu'il peut y avoir du monde ou personne, on peut se sentir seul ou accablé de responsabilité, on peut. Parfois c'est un casse-tête, hein. Parfois c'est parfait.
Et donc, quoi qu'il en soit, c'est très important de pouvoir vivre cela avec un cœur détendu et calme. Donc, maintenant qu'on a bien frotté nos mains, nous allons commencer par frappoter le sternum en faisant le son du cœur, qui est le son du soulagement. Ah, et on va faire tout le sternum. On va d'en haut, ah, jusqu'en bas. Sur le milieu du sternum, alors on peut le faire avec les poings si on veut, en utilisant le rond entre le pouce et l'index. Ou alors avec le bec de grue en rassemblant tous nos doigts et en tapant avec le bout de nos 5 doigts rassemblés. Ça ne fait pas tout à fait la même percussion. À nous de choisir. Et ensuite, on va faire un petit ovale. Et on va descendre par la gauche, par exemple, du sternum. Et on va remonter par la droite. S'arrêter, pas tout de suite, parce qu'on dit qu'il faut au moins 2 minutes pour que le thymus se réveille, que le souffle se détende. Et le cœur aussi. Voilà, posons nos mains l'une contre l'autre, observant notre souffle, notre posture, observons si nous sommes détendus. Et si nous sentons le sternum plus vivant. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Et on va sourire un petit peu. Alors, tout en respirant très lentement, on va placer nos 2 doigts sur le milieu de la bouche et allons jusque au bord de la bouche. On va faire ça plusieurs fois. Donc, on caresse les 2 lèvres depuis juste sous le nez jusqu'aux commissures. Et en même temps que nous faisons ça, nous essayons de repérer si la ligne de notre bouche, lorsqu'elle est au repos, descend, est horizontale ou monte. Et maintenant, on va s'arrêter lorsqu'on sera aux commissures. On va poser donc nos doigts dans chaque commissure. Et comme si les lèvres étaient un bouton pour la joie et la détente du cœur, on va monter verticalement de quelques millimètres. Nos commissures d'élèves partent en montant verticalement de quelques millimètres nos 2 doigts. Observons si nos yeux ont envie de monter aussi. Évitons de laisser peser la tête, hein, et lâchons. C'est comme pour le battement du sternum. C'est quelque chose que nous devons faire plusieurs fois pour arriver à sentir qu'il se passe quelque chose en fait dans le cerveau et dans l'humeur générale. Il n'y a pas besoin d'étirer vers les oreilles, juste on soulève un petit peu. On inspire en même temps, ça tombe bien, c'est facile. Nos yeux deviennent conscients de monter, le troisième œil et la conscience se mettent derrière le front. Et on lâche. Encore. Alors lorsqu'on lâche, on ne ramène pas la bouche, les coins de la bouche vers le bas. C'est juste qu'on cesse d'exercer une tension. On monte. On lâche. Remarque
Refaisons-le et maintenant, tout en le faisant, plaçons notre attention à l'intérieur du muscle du cœur. Respirons vraiment tranquillement. Et les deux prochaines fois, on va les faire non seulement vers le haut, mais on va les faire un peu en biais, comme si on voulait dessiner avec nos petites commissures une moustache de Dali. Donc, on fait deux petites virgules de chaque côté, en plaçant nos index, par exemple, dans les commissures, et là, on va monter en arc de cercle et faire une petite virgule. Donc, cette fois-ci, on va légèrement de chaque côté. Mais pas beaucoup. On relâche. Quand on lâche, ça redescend et observons si ça change quelque chose dans la joie de notre cœur et dans notre morale en particulier, d'une façon générale. Peut-être nous apercevrons-nous que c'est plus facile aussi d'aller installer notre conscience derrière le front lorsque nous montons les commissures en un léger sourire. Et puis pour finir, observons ce que font nos pieds, notre périnée, alors que nous sourions. Peut-être qu'on aura envie d'être un peu plus présent à nos pieds, d'appuyer un peu sur la terre avec nos orteils ou un peu plus avec le talon. Peut-être qu'on aura envie de très légèrement remonter l'anus. Tout ça, ça aide l'énergie à venir affluer dans notre corps. Lâchons les mains et prenons un instant à nouveau pour nous sentir en fait dans la globalité de notre corps, avec un focus sur le cœur, et là on va rajouter aussi la conscience de notre sourire. Peut-être qu'on n'aura pas envie de laisser la bouche redescendre, mais qu'on aura envie de maintenir un petit sourire. Et si on va faire attention maintenant à notre cœur physique, essayer de le sentir physiquement, qui est en train de battre, et voir s'il n'est pas un peu tendu justement. Quand le cœur est stressé, lorsque le péricarde est stressé autour du cœur, ça empêche le cœur de prendre tout son volume et tout son élan pour envoyer le sang. Et ça crée bien sûr des tensions parce qu'on respire moins bien, on irrigue moins bien le corps en bas et en haut jusque dans le cerveau. Cherchons donc à entendre, à sentir les battements. Et pour l'aider à se détendre, nous allons placer nos mains à nouveau sur le sternum, mais en face du cœur, juste à côté du cœur. Donc en gros, c'est 3 doigts et demi au-dessus de la pointe du sternum. Et ici, on va aller masser alors les intercôtes. On peut mettre un doigt dans chaque intercôte et masser un doigt de la main gauche dans chaque intercôte et masser un peu et aller vers le sein. Et un peu en dessous aussi. On peut le faire avec la main droite, on peut le faire avec les deux mains, soyons créatifs. Et on peut monter même jusque plus haut, hein, si on sent que ça crée des petites douleurs, on peut avoir envie de monter à gauche du sternum, mais plus haut, jusque presque en haut. En tout cas,
au moins jusqu'à l'endroit où se trouve le thymus, c'est-à-dire dans le tiers supérieur. Parce que le thymus, c'est l'état-major de l'empereur cardiaque, et c'est lui qui décide de notre immunité. Donc ça lui fait du bien qu'on s'occupe de lui. Enfin, il nous le rendra bien. Donc on l'a tapoté tout à l'heure, et là maintenant on est en train de l'aider à détendre toute la zone dans laquelle se trouve le sternum, en faisant ces petits massages entre les côtes, en montant, en descendant. Et s'il y a des endroits qui font particulièrement mal, on reste dessus. Donc on peut ne faire cet endroit-là, on arrête avec les autres doigts, et avec le doigt qui se trouve installé sur le point douloureux, on tourne dans un sens, dans l'autre, et on va faire le son du cœur. Jusqu'au bout, sans forcer en fait là. Encore un petit peu à la recherche des points qui sont douloureux ou sensibles. Donc c'est si on a de la poitrine, il faut pas s'écraser complètement de ça. C'est mieux. Mais on peut rester sur le côté du sternum. Et donc on fait ce petit travail d'automassage principalement quand même du côté où il y a le cœur. Notre regard est tourné vers l'intérieur et nous cherchons à observer le muscle cardiaque, à le sentir, à l'écouter battre. Et puis on va lâcher, frotter un peu l'endroit pour détendre les douleurs s'il y en a eu. Et prenons un instant pour observer s'il y a un changement. Pensons à un des moments attendus de ces deux fêtes qui vont suivre, Noël et le 31 décembre. Et même si on est tout seul, pensons à quelque chose qui, ou même si on est avec des gens dont on sait que ça ne sera pas facile, ou dont on a peur que ce ne soit pas facile, cherchons à éveiller une idée très positive de ce futur moment. Plus toutes les fêtes intermédiaires qu'on fait entre ces 2 semaines. Et observons si l'idée agréable, on peut se voir juste en train de. Moi, je me suis vu lever une flûte de champagne. Alors, ça peut être vraiment ce qu'on veut. Jus d'orange. Et on sent si ce travail d'évocation détend encore davantage le cœur. Et peut-être que nous nous rendons compte que nous en avons l'intention, mais que bah, ce n'est pas si facile que ça de détendre le cœur. Donc, on a pour s'y aider des techniques de pédagogie universelles. On va partir de quelque chose qu'on sait faire et on va se féliciter. Et ensuite, on va le transférer jusqu'au cœur. C'est toujours Barefoot Doctor, que je vous cite de temps en temps, qui donne cette technique. Donc, on va prendre l'avant-bras, et on va le bras plutôt, et on va le serrer. On peut même serrer les deux, en serrant les poings, et on contracte complètement le muscle. On contracte, on contracte, on contracte, et maintenant, donnons-nous l'ordre de le décontracter. Très gentiment. Et restons avec nous jusqu'à ce qu'on sente qu'il est, mais complètement décontracté. Et allons jusque à vraiment l'impression qu'il devient plus large qu'il n'est. Recommençons, donc on va contracter depuis le haut du bras jusqu'au poing. Et on va contracter tout le bras.
Et vous pouvez le faire qu'avec un seul ou avec les deux, comme il vous plaît. Et dans ce bras, il y a des tas de méridiens qui concernent le cœur. Donc, lorsqu'on fait ça, eh ben, on agit déjà sur le cœur, en plus. Allez, on serre, serrons les muscles, comme si on voulait montrer nos biscottos. Pensons bien, respirer tranquillement, à descendre les épaules, et observons si notre corps reste droit ou s'il se déforme sous l'effort. Ensuite, on lâche, détendons complètement les muscles. Tout ce qu'on a tendu, détendons-le. Jusque à descendre dans le centre de la main. De la paume, le point là au gong. Et là, on va demander à la main de se détendre profondément aussi. Et pour qu'elle se détende profondément et détende profondément la paume de la main, c'est pas une évidence, ni même les doigts. On va nous secouer nos mains on les met de chaque côté de nous et on les secoue en secouant aussi l'avant-bras. Donc les bras ne bougent pas trop, mais l'avant-bras, le poignet et tous les doigts se lâchent toutes les tensions. Comme si on voulait se débarrasser d'un scotch qui aurait collé ou voilà. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fois que je compte, c'est que je pars d'en haut. 6, 7, 8, 9, 10. On peut faire plus vite, hein. Ensuite, revenons. Revenons à notre cœur. Revenons à nos bras. Cette fois-ci, on va prononcer comme alors, on va prononcer l'ordre intérieur ou extérieur de contracter les muscles et ensuite on va les lâcher et tout de suite après, on va faire la même chose, mais seulement pour lâcher au niveau du cœur. Donc, lorsque nous allons lâcher, observons comment nous faisons pour détendre notre muscle du bras, parce que c'est cela que nous allons essayer de faire dans le cœur. Allez, on serre. C'est surtout le bras qui nous intéresse. Parce que là, il y a des muscles à serrer, comme si on allait faire un bras de fer avec quelqu'un. Et observons maintenant, lâchons, en respirant tranquillement, observons comment ça se passe dans le corps quand ça se détend un muscle. Observons jusqu'où on peut le détendre. Imaginons que le bras est plus grand qu'il n'est. Imaginons son aura. Et maintenant, tout de suite, allons nous installer dans notre cœur. Et demandons-lui de se détendre. Alors, on peut dire ça très simplement, à haute voix, détends-toi. Mais pas trop méchamment, sinon il va stresser. Détends-toi. Et on peut trouver aussi apaise-toi, calme-toi, tout va bien. Ralentis, régule-toi. Parce que quand on est stressé, on peut se mettre à avoir des petits dysfonctionnements plus ou moins graves dans la physiologie du cœur. Tournons notre regard vers, comme si vraiment il y avait nos yeux, si on avait des jumelles et qu'on mettait les jumelles vers l'intérieur, à l'intérieur du crâne. Donc on va arriver à la chambre de cristal, au milieu du cerveau. Et ensuite on descend gentiment jusque dans le cœur. Avec cette lumière, et on va retrouver les battements que nous sommes en train de calmer.
Observons comment va notre cœur. On peut lui donner une lumière verte ou bleue, bien que sa couleur habituelle soit le rouge, mais c'est pour le détendre justement. Et on peut aussi essayer, vous voyez si vous préférez, essayer de détendre le muscle du cœur en pratiquant la gymnastique périnéale, c'est-à-dire qu'on va serrer doucement l'anus et le remonter. Et quand on lâche, on vérifie qu'on lâche en même temps le cœur. Ensuite, on fait juste devant l'anus, le point ruine, le point du périnée. Et quand on lâche, on observe si chaque fois qu'on a tendu et que l'on détend, on a l'impression que le cœur se détend un tout petit peu plus. Ensuite, on va serrer la porte avant. C'est pas besoin de prendre des haltères ou de faire des choses particulièrement athlétiques. Il suffit d'avoir l'intention et un léger mouvement de contraction et qui monte. Qui monte, c'est pas obligé. C'est bien d'habitude, mais là, on travaille pas dessus, c'est pour ça que je dis ça. Et on lâche. Donc, on va le refaire une ou deux fois. Alors, avec les portes du bas ou avec le bras. Et on vérifie que lorsqu'on lâche, le cœur se détend encore davantage, il se calme et notre rythme cardiaque ralentit. Et on peut faire le A lorsque ça se détend. Le calme qui continue à progresser, notre souffle qui se ralentit. Et là, on va mettre nos mains sur nos cuisses et très gentiment, en tournant nos épaules d'un côté et de l'autre, sans vouloir bouger la taille forcément. On laisse juste les vertèbres pivoter jusqu'à la taille. En tout cas dans les dorsales, mais pas trop, hein, on ne fait pas d'effort. Et on revient. On fait pareil de l'autre côté. On peut accompagner un peu avec la tête. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les épaules et sentir les vertèbres dorsales, y compris celles qui sont du côté du cœur. Et observons si nous pouvons, en tirant légèrement la tête vers le ciel, si nous pouvons redonner ou accentuer sans forcer la souplesse de ces vertèbres. Est-ce qu'elles pivotent bien les unes après les autres, là, ces 4 ou 5 qu'on va prendre? Jusqu'à l'endroit où on sent le cœur. On dit que c'est la cinquième dorsale. Alors, si on veut s'aider sans faire d'efforts et sans crisper le dos, alors que nous cherchons au contraire à détendre toute cette zone et à donner de la place au cœur, je vous propose de placer vos mains à plat avec les doigts sur les genoux. Et lorsque vous le déciderez, et bien vous agripperez vos genoux avec vos doigts, votre genou gauche avec le doigt de la main gauche, et après on s'en sert pour faire pivoter les épaules vers la droite. L'épaule droite s'efface. Et nous, on tire très légèrement sous la rotule et ça nous aide aussi à nous ériger.
On sent toute la place, mais sans aucune tension, ni dans la jambe, ni dans le bras, ni dans l'épaule, ni dans le cou. Parce que ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment donner de la place au cœur et continuer à le détendre. Et donc, à chaque fois qu'on va lâcher et que ça va revenir naturellement, on va faire le son A. Alors, normalement, ça suffirait de faire que de ce côté-là pour ouvrir, mais quand même, par harmonie, on va faire glisser la main droite jusqu'à ce que les doigts touchent l'avant de la rotule. Et en nous redressant grâce à la traction que nous exerçons entre la main et le genou, nous libérons l'épaule gauche et nous donnons aussi de la place au cœur. Mais c'est le cœur physique que nous cherchons à mettre au large. Évidemment, lorsqu'on revient au centre, on peut lâcher la pression et même bouger la main. Encore deux fois. Lorsqu'on lâche la pression sur la main, on laisse faire le dos et revient à peu près tout seul, hein. Il y a juste parfois des petits moments où on doit l'accompagner, mais pas beaucoup. Dernière fois, et on fera le son A, alors que nous allons revenir bien droit, en veillant à ce qu'aucune de nos vertèbres ne soit tassée. Ah. Et pour finir, cette petite détente du cœur, remettons nos mains en namasté. Et on peut doucement, comme les danseuses indiennes ou orientales, déplacer nos deux mains un peu sur la droite, un peu sur la gauche. Et observez ce que ça fait au cœur lorsqu'on va vers la gauche. Donc notre main droite pousse la main gauche. Les deux paumes de main sont reliées. Et donc on va ouvrir tout le côté gauche juste avec ce geste. Alors on peut le faire à droite pour qu'il n'y ait pas de jaloux, mais ce n'est pas une obligation. Et lorsqu'on l'a fait deux ou trois fois, redescendons nos mains, laissons-les se placer comme elles en ont envie, l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Et restons avec notre cœur. Et à chaque expire, on pourra accompagner le souffle du son, soit vocalique, ah, soit subvocalique. Dans les deux cas, ayant l'impression que le son part du muscle lui-même. Restons ainsi aussi longtemps qu'il nous plaira. À bientôt! Merci.